Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler store qui carotte 100% des Européens. On va parler accélérateur avec un stock de dingue. On va aussi parler KVK, mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les tutos, tout est sur le Discord, même les pronos de cette grande finale. Je vous rappelle, c'est une vidéo le vendredi à 18h comme pendant toute la saison 8 de la Ligue Osiris. Hein, la saison 9 devrait normalement arriver pour septembre pour qu'on se blinde. En attendant, on s'amuse avec les grands Auric hein, et cette grande finale. Les amis, donc, je vous le disais, on va parler carotte, on va parler accélérateur, on va parler argent. Mais avant cela, on va commencer par un petit principe, un petit event que Lilith, franchement, a volé. Là, même moi, je reconnais que ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Vous allez voir tout de suite. Regardez le Cityscape Spotlight. Hein. Lilith a fait un concours pour les meilleurs thèmes de ville, hein, les plus beaux. Sachant que maintenant, avec la mise à jour, on peut partager avec un code, je crois, j'ai jamais testé, les skins de ville et on peut automatiquement faire le skin hein, sur sa ville. C'est un grand gain de temps. Et regardez les quatre finalistes, hein, on le voit. Alors franchement, le premier, le en haut à gauche et celui qui est en bas à gauche, rien de particulier. Celui qui est en haut à droite, il est pas mal. Mon préféré est celui qui est en haut à droite. Hein. Mon préféré est celui qui est en bas à droite. C'est celui qui fait une sorte de rosace. Franchement, très très bien celui-là. À tester, ils sont très beaux, mais comme je vous le disais, hein, Lilith a un petit peu volé l'idée. Hein. Pour moi, le premier que j'ai vu faire ça, alors peut-être d'autres streamers hein, anglo-saxons, anglais, étrangers l'ont fait. Moi, le premier que j'ai vu faire ça, et ça va rappeler des souvenirs aux plus anciens entre vous, c'est, il me semble, hein, Xav the Master. Si vous vous rappelez de lui, je crois qu'il a repris récemment le jeu ou le stream, ou les deux, ou aucun des deux, bref. Xav the Master qui était un streamer français, hein, qui a commencé à peu près en même temps que moi sa chaîne YouTube hein, à la grande époque hein, avec Soviet Supreme et bien d'autres. Hein. Il y avait même Rise of hein, qui faisait des vidéos. Bref, en tout cas, c'est lui, à ma connaissance, qui est le premier, tout streamer confondu, à avoir lancé hein, le concours sur les plus beaux thèmes de ville. Hein. Je m'en rappelle, c'était des gros trucs qu'il avait fait. Bref, en tout cas, voilà, Lilith récupère les meilleures idées. Hein. Pour nous donner des récompenses, franchement, je trouve pas que ce soit un truc de ouf. Mais ce qui est cool, c'est de pouvoir partager, en tout cas avec un code, et directement l'appliquer sur sa ville sans avoir à se prendre la tête hein, à le refaire à chaque fois. On parle toujours du Twitter et on reste dessus. Et vous allez voir, cette méga, méga carotte de Lilith, elle est tellement belle que j'ai envie de pleurer de joie. Regardez, de pleurer de rire surtout. Regardez, Lilith nous reparle de son système de paiement. Alors pour ceux qui ont raté cette information il y a quelques mois, voire années, je crois que c'est sorti il y a 2 ans. Aussi, pour moi, tout est sorti il y a 2 ans. Dès que je n'ai pas la date en tête, c'était il y a 2 ans. Donc Lilith, il y a 2 ans, a sorti son propre store avec plutôt mal. Si vous vous souvenez, vous avez des petits tickets en jeu. Certains demandent encore qu'est-ce que c'est ces petits tickets de couleur rock. Hein. Eh bien, c'est des coupons. Ça s'appelle des vouchers qu'on peut acheter en ligne. Vous les achetez, vous récupérez un voucher dans votre inventaire. Hein, et ce voucher vous permet, au lieu de claquer de la thune in-game, vous achetez des bundles avec. Mais avant, vous les avez payés, ces vouchers. Ces vouchers. Quel est l'avantage pour Lilith? Alors déjà, regardons ce que ça donne quand on va sur leur store Pluto Mail. Où ils annoncent hein, qu'on a 10,5% d'extra. Alors c'est super, hein, mais vous allez voir où est la carotte. Donc on se retrouve sur le store et vous voyez les vouchers, c'est exactement, c'est des tas de billets chatoyants. On les retrouve in-game hein, dans certains screens, hein, notamment beaucoup hein, chez les Coréens d'abord. C'est d'abord sorti en Asie ces vouchers, puis après en toute l'Europe. Maintenant tout le monde peut les avoir, ça vous permet de faire un petit stock. Alors quel est l'avantage de faire ce stock là par rapport à acheter une game pour vous? Alors c'est surtout pour faire des choses qui sont contre les règles du jeu, à savoir vous faites un stock et quand vous êtes plusieurs sur un même compte, que vous utilisez des joueurs dits pilotes, c'est-à-dire en HNO, quand vous dormez, quand vous êtes au travail, il y a un mec qui joue sur votre compte pour que votre compte tourne, oui, il joue H24, hein, vous êtes 3 dessus, et bien par exemple, hein, il va claquer des vouchers, il n'y en a qu'un seul qui va payer, il va mettre masse vouchers et quand il a besoin, il achète des bundles grâce à ça, et donc vous n'avez pas à lui donner votre numéro de carte bleue
C'est là que ça, c'est pour ça que c'est écrit. En plus, pour inciter Lilith hein, à ce qu'on achète ses vouchers, vous l'avez vu, il donne un bonus de 10,5%. Alors, comment ça se passe quand vous allez acheter ce billet, ce tas de billets? Vous en allez avoir 10% en plus, donc 10% de fois en plus. Si vous mettez 100 euros, vous aurez 110 euros. Mais regardez où est la carotte. Déjà, il vous donne 10,5% d'extra en plus. Il faut savoir qu'un store comme l'Apple Store, lui, prend, et le Google Store aussi, prend 30% de marge. Ce qui veut dire que Lilith, en le vendant directement par ce support, hein, même s'il passe par Pluto Mall, eh bien, ils vont faire une économie très importante, bien plus importante que 10%. Donc, ils se mettent au passage une petite marge en plus. Et surtout, il y a une double marge, le double effet carottage. Pour nous, les Européens, celui-là, il est quand même dur à avaler. Regardez bien le ticket, ce qu'il y a écrit. Nous, par exemple, si vous prenez le premier, le deuxième, n'importe lequel, prenons le troisième à 1 euro. Ben regardez, le troisième à 0,99 euros, il est en fait à 0,99 dollars. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais on s'en fout, c'est bon, c'est pareil. Non, ça n'a strictement rien à voir. Regardez, si on regarde, si je vous montre le screen, justement, du cours de dollar, du dollar, 99 dollars américains, c'est 90,90 euros, presque 91. Donc, c'est 10% moins cher. Il y a 10% d'écart entre 1 euro et 1 dollar. C'est énorme. Ce qui veut dire que les 10% que Lilith nous annonce nous donner sur le package, par exemple, nous, Européens, ça fait comme si on l'achetait au prix standard des Américains. Et les Américains, eux, ils ont bien 10% encore en plus. Sachant qu'en plus, l'économie n'est pas la même. 1 euro chez nous, c'est pas équivalent à ce que va être 1 dollar, car le niveau de vie n'est pas le même. Donc c'est pareil pour la Chine, c'est pareil pour tous les pays. On se fait clairement carotte. Et c'est pour ça qu'en Asie, par exemple, dans les pays les plus pauvres en Asie où le jeu est bien développé, les bundles coûtent bien moins cher ramené au coût de la vie. On l'a déjà vu, je vous avais déjà montré un tableau comparatif. On se fait vraiment ultra carotte, nous, Européens, là-dessus. C'est pas du tout correct, franchement. Et c'est une double carotte. Non seulement, il marge plus, et en plus, nous, on paye plus avec le cours. Alors, il y a des techniques hein, pour pas payer, pour payer moins cher au prix de dollars. Il va falloir utiliser surtout un VPN pour être reconnu sur une zone géographique hein, où on est en cours du dollar ou encore un cours où c'est moins cher. Mais vous risquez d'avoir les taux de change appliqués par votre organisme bancaire. À voir si vous pouvez le faire par PayPal et pas payer ce taux de change. Mais ça va vous mettre une grosse cartouche au final parce que le taux de change, il peut être très violent selon votre banque. Bref, il n'y a pas tellement de solutions à part être des vraies vaches à lait. Mais il est sûr qu'en passant par ce système-là, on gagne un petit peu, même si au final, on reste les grands perdants. On va dire on est moins perdants. Mais encore une fois, hein, le seul pour qui c'est toujours rentable, c'est Lilith, vous pouvez en être assuré. En parlant de toujours rentable, regardez, lui, il est de ouf, ce joueur, Mr. Hop, il est sur les GV77. C'est un screen, c'est une dinguerie, les GV77 hein, qui sont en KVK contre les S2S. On en reparlera dans une autre vidéo, on va suivre ce KVK énormissime. Regardez, Mr. Hop qui est un joueur à 1,452 millions de puissance, hein, en haut à gauche, vous voyez bien sa puissance. Regardez, en haut à droite, il a 40 millions de gemmes. Ouais, vous avez bien lu, 40 millions de gemmes, 47 milliards de nourriture, 39 milliards de bois, 25 milliards de pierres, un peu la faiblesse hein, en pierre, on va lui dire. 31 milliards d'or, c'est vraiment hallucinant, sachant que c'est en plus de tous les stocks qu'il a, évidemment. Regardez en accélérateur ses stocks, c'est une dinguerie. Alors le mec, ça fait longtemps qu'il fait plus de recherche. Hein. Il a 411 jours de recherche de 15 minutes, 2600 jours de 30 minutes, 818 jours de 60 minutes, 222 jours de 3 heures, 2700 jours de 8 heures, 88 jours de 15 heures et 35 jours de 24 heures. Mais le soin, c'est le soin et les génériques qui nous intéressent le plus. Sur le soin, il a, alors là, c'est-à-dire que le mec, il va soigner à tout va pour ce KVK de ouf, 16 jours en 5 minutes, 1 jour seulement 15 minutes, on voit, il les claque, hein, 0,2 jours en 1 heure, 170 jours en 1 heure, c'était pas 1 heure, c'était 30 minutes, 10 jours en 3 heures, 5 jours en
8h06 jours en 15h, on le voit, il les claque. Et là, on passe sur les génériques. Les génériques, il les claque, mais quand même moins, puisque ce stock-là, il est très impressionnant. En accélérateur générique, il a 333 jours. Déjà, ça commence bien. En 1 minute, 444 jours. C'est très simple. En 5 minutes, 12 jours en 10 minutes, 43 jours en 15 minutes. Et là, on va attaquer le gros. 39 jours en 30 minutes, 9054 jours en 1 heure. 9054 jours, 598 jours en 3 heures. Ça fait 2 ans presque quand même. 8 heures, 424 jours, on est toujours au-dessus d'une année, 15 jours en 15 heures et 7700 jours en 24 heures. Au total, le mec en accélérateur générique, il a 54 ans d'accélérateur, 54 piges d'accélérateur. Vous imaginez comme le mec, il est bien. C'est simple, 10 ans, c'est 3650 jours, rien qu'avec ses 60 minutes. Il a déjà 30 piges d'accélérateur, c'est une dinguerie. Hein. 30 piges d'accélérateur de l'autre côté, avec les 24 heures, pareil, 7700. Bref, c'est tout simplement une dinguerie ce stock. J'ai jamais vu un stock aussi important, même chez Baba, même chez d'autres très très gros joueurs. Peut-être qu'il y a des joueurs hein, qui restent discrets et qui ont autant, genre des fous par exemple. Mais là, c'est vraiment énormissime ce qu'il a préparé pour ce KVK. Et je pense qu'en plus, c'est même pas pour le KVK, il a ça en stock quasi permanent. En parlant de KVK, on va s'intéresser à présent, les amis, au KVK du 1365. Oui, on ira voir les GV77. Prochainement, on va parler des 1365 parce que leur KVK avance de dinguerie. Les 1365 sont sur un très gros KVK. Alors les 1365-1, évidemment, ils sont avec les 1606 et les 1862. Les 1606, pour mémoire, c'est les IN. Le 1862, c'est les 62 JP. Et les 1365, c'est les JST. Hein. Alors là, on ne vous apprend rien. Partons sur ce KVK qui a 18 jours, 7 heures, à présent 10 minutes et 27 secondes. Regardons ce que ça donne. Vous allez le voir. C'est vraiment du lourd qui va arriver. Alors, tous les territoires sont occupés, sauf les terres du roi. On est très loin. L'ouverture des portes de niveau 8, hein, l'ouverture des portes de niveau 7 approche. Elle approche à grands pas. Elle n'est pas encore là parce qu'il y a... Si, elle est bientôt là. D'ailleurs, je vais dire les pèves forteresses autour. Mais si, si, si. Rappelez-vous, sur cette zone de départ, cette zone... Enfin, la zone de départ, la première zone qui a ouvert en Sakaka... Les JST hein, ont maîtrisé les 62 JP, ils les ont totalement enfermés. De l'autre côté, au sud, ils sont avec leurs alliés, il n'y a pas de discussion. Hein. Les alliés des JST, eux, c'est l'inverse. Oh, regardez, leurs adversaires, les IN sont sortis et on a eu un fight ici et un placement de forteresse qui a bloqué leurs adversaires. Situation exactement inverse du nord, c'est pour ça que ça va être très intéressant. En Terre du Roi, là, au niveau des portes de niveau 7, hein, les adversaires, les Lost, ne se sont même pas positionnés. Ils n'ont même pas encore bloqué les portes. Hein. C'est assez hallucinant. Ils ont encore un peu de temps, mais à leur place, hein, j'aurais déjà construit quelque chose. On a le temps, puisque les hôtels du Ténèbre hein, ne sont même pas encore ouverts. Mais ça coûterait rien de se positionner. Hein. Des deux côtés, on va avoir ces premiers combats sur les hôtels des ténèbres. Au nord, les GST vont gagner. Au sud, les INT vont gagner sans surprise. Mais ça reste un très gros KVK à suivre. Au niveau des alliances, hein, des coalitions, on a du très gros. On est les GST, hein, je vous le rappelle. Je crois qu'en termes de niveau d'alliance tout cumulé, ce sont les troisièmes plus gros royaumes. Ils ont 15 milliards, 14 milliards. Là, le cumul, on est déjà à 30, 37. 41, alors les BLN, hein, c'est une alliance de débordement, mais ils sont tout de même à 41 milliards. Face à eux, les 62 JP n'ont qu'une très grosse alliance, ça chute très vite, ils devraient tomber un peu au-dessus des 30 milliards, j'imagine. Les 62 JP, 11, 12, ça fait 23, 33, 33, voilà, ils sont à 35 milliards. Au sud, c'est les IN, les INT plutôt, INE, INSI, bref, toutes les particules qu'on veut à la suite, toutes les lettres après. Sont plutôt costauds avec deux très grosses alliances.
14 milliards, 2, 11 milliards, hein, non, enfin 2 très grosses avec les U97, hein, et il peine à atteindre les 30 milliards, pourtant c'est la le deuxième plus gros royaume, hein, et les outsiders, hein, qui sont les Lost, et eux pour le coup je crois ils n'ont qu'une très grosse alliance, hein, les Lost en théorie, voilà, il n'y en a qu'une, les Unga à 11 milliards 7, hein, et les autres ça chute très très vite, c'est pour ça que tout va se passer sur les terres du roi. Les GST, hein, sont tout seuls quasiment à pouvoir prétendre, hein, à conquérir l'intégralité de cette zone-là. On va voir ce que ça donne. Surtout, on va voir si l'Hôtel des Ténèbres, hein, nous donne des indications. Je vous le rappelle, les 1093 face au 89 GT, hein, la fusion du 89 et des 60 GT a masterclassé l'Hôtel des Ténèbres. Ils ont vraiment été beaucoup plus puissants, mais ils ont tout de même perdu en Terre du Roi. Donc ça donne une indication. Mais c'est pas forcément, ils les ont vraiment détruits. Hein, et pourtant, en Terre du Roi, c'était mort de ouf pour eux. On va voir sur ce KVK et on suivra aussi Mr. Hop, hein, sur le 2377, les GV77, face au S2S. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis. Carotte, pas carotte pour nous les Européens. Sommes-nous des vaches à lait? Ça fait longtemps que je le dis depuis quasiment le début du jeu. Hein, ce taux de change à 1 pour 1 est vraiment une méga carotte pour toutes les entreprises. Lilith le pratique. Hein. Mais tout le monde le fait. Apple le fait. Bien d'autres le font. Apple, par exemple, va nous dire que c'est parce qu'ils ont plus de frais pour acheminer en Europe. Oui, c'est une carotte, hein, qu'on s'entende bien. Ils le font tous. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.